Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 171, un numéro spécial pour terminer cette année 2023 à propos des placements, des services sociaux. On va terminer l'année en beauté avec beaucoup de Michel Hamas et beaucoup de chiffres sur cette administration qui n'est non pas nationale mais malheureusement multidépartementale. Alors, de quoi parlons-nous pour le départ? Donnons la parole au plus grand spécialiste français du sujet pour le moment. J'ai nommé Maître Michel Hamas. En France, on parle que des détenus, des prévenus, des gens du pénal. La population pénale, c'est 76 000 personnes. Le stade Vélodrome. Et les gens qui se relèvent de la ZEU, il y en a 336 000, la ville de Toulouse. Et des enfants placés, il y en a 224 000. Que personne ne sait, c'est-à-dire que nous on l'a découvert. Ça fait 30 ans que je fais l'avocat, je le fais debout, en robe et en français, souvent avec plus de courage qu'il n'en faut à quelqu'un pour envoyer une insulte sur Internet. On s'est rendu compte que ça existait. Moi je pensais qu'on plaçait les fous qui violaient leurs enfants et que c'est à la marge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les enfants placés, c'est à l'appel, au saut. C'est une administration qui est hyper défaillante parce qu'il faut la nourrir. C'est en fait. C'est un commerce. C'est un commerce. Je te donne une image. Le budget de la justice, c'est 100, par exemple. La médecine, c'est 200. L'armée, c'est 400. L'aide sociale à l'enfance, c'est tant par enfant. 330 000 enfants qui relèvent de la ZEU, 227 000 placés. Un enfant normal, ça va être 2-3 000. Un enfant HPI, tous ses enfants, 10, machin truc, on va être à 5. Quand tu as un autiste, ça monte. Quand on a un nourrisson, ça monte encore plus. Le budget, ce que j'ai fait, je suis intervenu beaucoup dans la loi, j'ai essayé de faire beaucoup. À l'Assemblée nationale, j'ai appris que rien que l'hébergement des enfants placés, c'est 1 milliard. Donc visiblement, il y en a qui mangent. Et pourtant, il est difficile d'avoir des chiffres. Alors on a cherché un petit peu, et des chiffres, on en trouve. Par exemple, à La Réunion, ils sont 860 000. Ça fait quand même 2500 enfants. La loi confère au département la responsabilité de l'accompagnement des enfants, notamment des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, qui sont au nombre de près de 2500 ici à La Réunion. Nous le faisons à travers nos services dédiés, notamment ceux concernant les informations préoccupantes. Nous le faisons aussi à travers le réseau d'accueil, notamment les familles d'accueil rémunérées par le département pour justement accompagner une large partie de ces enfants. Nous le faisons aussi à travers des structures d'accueil et parfois en sollicitant des tiers dignes de confiance. La responsabilité, c'est bien évidemment la détection de ces informations. C'est aussi la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de protection en lien bien évidemment avec les partenaires, notamment les autorités judiciaires. Et lorsque cela s'avère nécessaire, donc il y a des solutions d'hébergement et donc d'accompagnement à mettre en œuvre, c'est ce que nous faisons. La situation ici à La Réunion a tendance à se dégrader. Nous voyons depuis quelques temps, notamment depuis la crise sanitaire liée à la COVID-19, des situations se dégradant. Et c'est pour cela que nous avons en charge d'aller encore plus loin, de mieux coordonner nos politiques publiques. Nous le faisons à travers l'Observatoire de la protection de l'enfance et nous le faisons aussi à travers la tenue ici de ce comité interdom, de façon justement à mieux travailler ensemble pour donner de la cohérence à nos politiques en matière d'accompagnement des enfants les plus fragiles.
Bon, d'accord. Donc, on a un premier chiffre qui est lâché, mais on n'a pas d'argent. Donc, à Mayotte, il y a 270 000 personnes. Mais on apprend que là, par contre, c'est 9,6 millions par an, par mois. Expliquez-nous un peu, là. 9,6 millions d'euros, c'est le montant inchangé alloué par l'État au département depuis 2017 pour l'aide sociale à l'enfance. Pour la Chambre régionale de compte, il faudrait que l'État revoie sa dotation, sinon l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas régler toutes ses factures. Autre conséquence, l'augmentation du nombre d'enfants par famille d'accueil. Actuellement, en moyenne, ils sont 4. En 2022, ils étaient 2347 jeunes pris en charge par le département, soit une augmentation de 38% depuis 2019. 44,2 millions d'euros, c'est le budget de l'aide sociale à l'enfance à Mayotte. 70% de ce montant est consacré au placement de ces enfants en famille et aux établissements. Le schéma départemental de l'enfance de 2022 à 2027 devrait, selon la CRC, être complétée par une évaluation des coûts annuels prévisionnels. Cette projection financière devrait être actualisée tous les ans. La Chambre régionale des comptes salue tout de même les actions du département en faveur de l'enfance, notamment sur les financements des foyers de placement ou encore sur la prévention. Mais la vigilance des magistrats de la CRC soulève un manque de rigueur comptable et budgétaire de la part du département. Bien, donc visiblement c'est la fête, c'est-à-dire que non seulement personne n'est surveillé, mais en plus il y a beaucoup d'argent qui va un peu partout. Alors on cherche encore et on va aller voir en Guyane. Donc pour la Guyane, il y a 800 enfants placés, mais visiblement là-bas aussi le gâteau, il est pas mal. Près de 800 enfants sont placés au titre de l'aide sociale à l'enfance. Les trois quarts dans 166 familles d'accueil, le reste dans des établissements spécialisés. Début 2016, la compétence est passée du Conseil général à la CTG, qui évoque des dysfonctionnements importants. Il existe des dysfonctionnements au niveau du suivi des enfants confiés, au niveau de l'accompagnement des assistantes familiales également, au niveau tout simplement du suivi des enfants. Et voilà. Autre dysfonctionnement, le surnombre trop fréquent des enfants placés dans les familles d'accueil. Parfois, nous sommes amenés à placer dans les familles d'accueil au-delà de trois enfants, puisque la loi nous impose en principe le nombre maximum d'enfants est de trois. Donc actuellement, effectivement, nous avons des familles d'accueil qui accueillent plus de trois enfants. La CTG a lancé une réorganisation pour un meilleur suivi des enfants placés. Deux cadres seront dédiés à cette tâche. Des cellules d'accompagnement et de contrôle seront créées pour les familles d'accueil. La collectivité demande au ministère de la Santé l'envoi d'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales. Il nous a paru important d'avoir l'expertise de l'Inspection générale de l'action sociale, qui est en fait la police de l'action sociale, que nous faisons venir de façon à ce qu'il nous donne une vue la plus objective possible et la plus précise des dysfonctionnements dont nous avons entendu parler et que nous avons constaté au sein de l'aide sociale à l'enfance de la collectivité. Cette mission d'inspection fera aussi le point sur certaines dérives présumées. La CTG évoque des rémunérations pouvant aller jusqu'à 9 000 euros par mois pour une même famille d'accueil, avec un nombre d'enfants accueillis totalement hors normes, même si ces cas restent exceptionnels. Je suis tombé il y a quelques jours, par hasard, sur une alerte lancée par Farida Belghoul. Vous vous en rappelez peut-être, les JRE, mouvement de retrait de l'école, on l'a interviewé ici au printemps dernier. Écoutez, le retour qu'elle a de par ses sources à elle n'est pas non plus très reluisant et va aussi dans l'autre direction. Il est question de rappeler que les enfants palestiniens sont assassinés, mais que d'autres enfants aussi sont en danger. Ces enfants, ils sont en France et ce sont les enfants des femmes battues. Donc je veux parler et rappeler que les enfants des femmes battues sont en danger en France, puisqu'il y a depuis le 1er décembre 2023 une nouvelle mesure gouvernementale qui est appliquée par la CAF qui propose aux femmes battues qui en feraient la demande 600 euros d'allocation pour pouvoir quitter le domicile conjugal. Je répète que c'est un piège. En faisant cette demande, une femme battue qui se dénoncera donc elle-même risque de perdre ses enfants. Pour 600 euros, elle risque de voir débarquer à terme les services sociaux,
L'ASE, cet organisme redoutable qui porte le joli nom d'aide sociale à l'enfance, qui lui enlèvera ses gosses pour les placer abusivement dans des foyers ou des familles d'accueil et qui séparera les frères et les sœurs d'une même fratrie et qui risque de vivre dans le cadre de ces foyers ou y compris de ces familles d'accueil, qui risque d'être maltraité, et ces maltraitances pourraient aller malheureusement jusqu'au viol. On le sait, on a des retours du terrain qui sont épouvantables du côté de ce qui se passe dans les réseaux de l'ASE. Donc, femme battue, ne vous rendez pas à la CAF pour faire cette demande d'allocation qui vous permettrait soi-disant de quitter le domicile conjugal de votre bourreau, alors que, évidemment, pour 600 euros, vous n'irez pas très loin. Je rappelle aux naïfs qui pourraient me dire « Mais comment prétendre que l'ASE pourrait risquer de placer abusivement les enfants ?» que l'un des mobiles de l'ASE, et l'argent, ce n'est pas le seul, mais c'est l'argent qui motive beaucoup, puisque l'ASE touche jusqu'à 5 000 ou 7 000 euros de subvention de la part de l'État pour chaque enfant placé. Et ces 5 000 et 7 000 euros sont versés mensuellement pour chaque enfant placé jusqu'à sa majorité. Tous les mois, la subvention tombe et l'enfant devenu adolescent finit par être jeté à la rue dans un état déplorable à l'âge de 18 ans. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup de jeunes SDF qui sortent de l'ASE. Donc cette allocation, je le répète, de 600 euros destinée aux femmes battues ne servira à rien d'autre, mesdames, qu'à vous enfoncer davantage, à prendre le risque de perdre vos enfants à vie. Ne réclamez pas cette allocation maudite. Pour en savoir plus sur le rôle de la CAF en République française, je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Le nouveau piège de la CAF » où j'ai déjà longuement traité de cette question et où j'appelle les femmes qui ne l'auraient pas entendu à en prendre connaissance. Et je vous demande de diffuser cette alerte. La sécurité d'un certain nombre d'enfants est en jeu. Oui, parce que rappelons tout de même qu'un tiers des enfants placés en France, grosso modo, c'est pour divergence éducative, c'est quand les parents se séparent et qu'ils ne s'entendent pas, donc les parents commencent à se disputer, ça prend des proportions, les services sociaux viennent et puis ils embarquent les enfants. Les femmes battues aussi, double peine, double punition, Maître Hamas en parle aussi, non seulement elle prend une rouste pour employer ses mots, mais en plus comme elle n'a pas su protéger ses enfants ou alors qu'on estime qu'elle est vulnérable, on va les lui prendre aussi. Et puis ensuite les handicapés, parce que comme vous l'avez entendu, c'est extrêmement rentable. Alors, est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça vaut le coup de précipiter les enfants dedans? Témoignage de ceux qui y sont passés. Franchement, j'ai même pas de mots tellement que j'ai souffert en fait. Au sein de foyers et familles d'accueil, c'est... Et y compris au sein des foyers, donc ils sont encadrés. Oui, voilà. Qui sont des organismes apparentés à un organisme d'État. Le foyer, c'est exactement pareil que la famille d'accueil. C'est des éducateurs non professionnalisés en fait. Ouais. Ils n'ont pas de diplôme. C'est des gens qu'on prend comme ça, tellement qu'ils sont en manque d'effectifs. Et eux-mêmes sont violents ? Oui. Y a, franchement, pour ma part, il y a 98% d'éducateurs qui ne sont pas dans leur métier, qui sont violents. Sans rentrer dans les détails, exemple de violence que vous avez subi vous-même, Adeline ? On nous balance contre les murs, contre les armoires, on nous frappe jusqu'à 100, ils n'ont aucune pitié. On vous a frappé jusqu'au sang ? Oui, bien sûr. Sous quel prétexte ? Aucun prétexte. Ou alors vraiment mettre à bout l'enfant par des mots blessants pour le mettre en colère et trouver l'excuse de le frapper, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Vous dites l'enfant, vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 13 ans, 12 ans, 11 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans. Après, c'est différent. Je suis restée dans une famille d'accueil pendant 12 ans qui m'a maltraitée. Parce que de l'argent, il y en a. Oui, de l'argent, il y en a. Mais par contre, ça marche pas si bien que ça de l'intérieur. C'est quoi ton traitement ? Moi, je sais pas ce que tu prends. Oui, je sais. Comme tous les éducateurs du foyer, nous sommes chargés de donner leurs médicaments aux enfants. Normalement, des piluliers sont préparés pour chacun d'eux. Mais ce matin, ils sont tous vides. J'en ai deux. Hein. Deux ? Oui. J'en ai deux le matin. Celui. Attends. Ah, mais les feuilles le matin. Attends, parce que j'aimerais bien... Oui, mais j'aimerais bien voir juste ton ordonnance parce que... Mais c'est ce que je prends comme le matin. Ok, ok. Je sais par cœur mes médicaments, tu peux me regarder. Ok, ok. Ordonnance après, hein, c'est la tête. Il y a bien une ordonnance. Mais entre les médicaments prescrits et ceux de l'armoire à pharmacie... C'est ça ? Rien ne correspond. Moi, je dois vérifier, tu comprends ? Un sacré bazar. Chaud quand même. Ces médicaments sont très puissants.
Une erreur de dosage pourrait avoir de graves conséquences. Notre enquêtrice interpelle une éducatrice. Et ouais, toi tu sais, c'est bon comme traitement. Ils n'ont pas été faits, les pilules. Non, ils n'ont pas été faits. Mais elle sait. Oui, oui, elle sait. Elle se débarrasse du problème. Et une autre salariée avoue que l'infirmière qui gère l'armoire à pharmacie est absente depuis un moment. Enfin là, au niveau des traitements, moi je suis un peu gênée parce que j'ai jamais donné de médoc à un gamin sans voir la prescription. Son pilulier était pas à jour. Ouais, ben ça. Et du coup l'infirmière elle était en... Ah, c'est l'infirmière qui le fait. Ouais, c'est l'infirmière. Nous on peut pas le faire le pilulier. Ah bah tant mieux. Parce que si mieux. On se trompe. Bah voilà, normal. Du coup c'est l'infirmière qui le fait et quand il y a pas l'infirmière, on doit prendre l'ordonnance et en fonction de l'ordonnance. Et ben c'est ce que je fais. Donne. Mais du coup c'est pas les mêmes médocs qui sont écrits sur l'ordonnance. Oui. Alors parce qu'en fait le diazépam c'est ouais, ils ont pas mis le substitut. Ouais. C'est vrai que c'est embêtant quand on arrive. Okay. Francine n'a que 13 ans, des troubles mentaux sévères, et tout le monde semble trouver normal qu'elle surveille elle-même sa prise de médicaments. Mineurs en danger, les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance, c'est dans Zone Interdite dimanche à 21h05 sur M6. Donc là, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas parce que c'est public, il y a eu énormément d'enquêtes, d'émissions, de témoignages, ça ne fonctionne pas. Par contre, le mécanisme pour y déverser des enfants en permanence, disputez-vous avec une institutrice, une maîtresse d'école, avec un docteur, avec une infirmière, avec quelqu'un à l'hôpital, avec absolument n'importe qui. Une information préoccupante sera faite au 119. Et ça commence, tout se met en place, vous êtes forcément coupable, et les gens de différents services vont venir les uns après les autres pour faire quoi ? Et ben pour vous les enlever et puis en fait après à 18 ans pour les balancer dans la nature, 25% de nos SDF sortent de l'ASE et il ne reste plus que les initiatives individuelles pour tenter d'essayer de s'en occuper, de les sauver. François Jacob est l'un des lanceurs d'alerte de la question des jeunes majeurs vulnérables. Moniteur éducateur, il a dénoncé en 2014 une délibération du Conseil départemental de Haute-Vienne et ses critères restrictifs de prise en charge des majeurs de 18 à 21 ans. Aujourd'hui, ce travailleur social attend que l'État et le département prennent enfin leurs responsabilités. Certes, le budget du Conseil départemental n'est pas extensible, mais on peut. Quand on veut, on peut. Et de toute façon, comme j'ai dit, il est important que les élus du conseil départemental soutiennent la proposition pour que l'État prenne en charge sa parole, qu'il tienne sa parole, que ça soit concret. Pour l'instant, nul n'oblige les départements à assumer la charge des 18-21 ans. La proposition de loi le rappelle. En raison d'une ambiguïté législative, la plupart des conseils départementaux considèrent ces prestations facultatives. Avec la loi en discussion, les exécutifs locaux seraient contraints de financer tous les jeunes concernés pour une enveloppe budgétaire en forte hausse. Nous, les départements, on est bien sûr pour faire en sorte qu'on puisse améliorer l'accompagnement de ces jeunes majeurs. Mais derrière ça, il y a des enjeux financiers. Et à l'heure actuelle, on nous parle d'un engagement de l'État, mais sans véritablement savoir en quoi il consiste et si, in fine, l'État prendra en charge l'intégralité. Mais le financement des 18-21 ans pourrait faire long feu. Le gouvernement préférerait une contractualisation avec les départements. Il y a urgence. Aujourd'hui, un SDF sur quatre est issu de l'aide sociale à l'enfance. Nous allons maintenant donner la parole à celui qui en parle le mieux, Maître Hamas, avec ses légendaires coups de gueule. La réalité derrière de ce que vivent ces gens, eh bien écoutez, c'est ça. Bonjour. Je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille, j'interviens depuis 4 années dans les dossiers de l'enfance placée et j'ai le sang dans la bouche, comme à peu près tous ceux qui, de près ou de loin, touchent à cette matière. J'ai un couple de parents qui vivaient il y a 4 ans à Orléans. Depuis 2 ans, ils vivent à Apt, à côté d'Avignon. J'ai saisi le juge quand ils sont venus chez moi il y a plus d'une année et j'ai dit qu'il faut transférer le dossier à Avignon pour que les parents aient des droits. En janvier de l'année dernière, de cette année, le magistrat a ordonné le transfert des enfants à Avignon. Le transfert du dossier à Avignon. Super décision, les parents sont très contents, et ce d'autant plus qu'ils voyaient leurs enfants deux fois par mois. C'est-à-dire que deux fois par mois, ils faisaient les retours à Avignon, Orléans, pour une somme folle. Pour des sommes folles. Comme cette décision a été prise, les services sociaux d'Orléans ont cessé depuis
janvier d'organiser les droits de visite, puisque maintenant ils sont transférés. Donc depuis un an quasiment, ils n'ont pas vu leurs enfants. Et à ce jour, 9 mois plus tard, les enfants n'ont toujours pas été envoyés à Avignon. Le dossier n'est toujours pas arrivé chez le tribunal, au tribunal pour enfants d'Avignon. Les services sociaux d'Orléans n'ont rien fait. Et mieux, ce qui est inacceptable, un des enfants a été déposé par l'aide sociale à l'enfance sans aucun avis, sans rien, sans décision, sans rien, a été déposé chez la grand-mère paternelle qui habite à Paris. Quand ça fonctionne comme ça, quand c'est plus que le bordel, quand c'est après le bordel, quand c'est du n'importe quoi, sans décision de juge, sans rien, en violation de tous les droits de tout le monde, vous pouvez gueuler et dire que c'est les services sociaux d'Orléans sont malhonnêtes, que ce sont des gens de peu, que ce sont des immondes, et vous pouvez dire que le juge d'Orléans, pas beaucoup mieux, et que les juges d'Avignon, à qui j'écris en disant « mais ouvrez le dossier », qui répondent pas. C'est ça à quoi on a droit. Encore. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille. J'interviens depuis plusieurs mois dans les dossiers d'enfants placés. Et comme certains de mes confrères, nous avons commencé à dénoncer ce qui se passe dans le secret des bureaux des juges pour enfants. Parce que ce sont des audiences à huis clos. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et surtout n'importe quoi. On va dénoncer des dossiers, sans donner les noms des gens, pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous puissiez faire écho et vous battre avec nous. Un homme roulait avec sa femme en voiture, ils ont un accident, elle meurt. Il la tue, par accident. Plusieurs enfants, 4. Au bout de quelques semaines, le monsieur est en souffrance, les enfants arrivent un peu en retard à l'école. Aide sociale, placement de 4 enfants dans 4 lieux différents. Au lieu de lui accorder une assistante sociale, au lieu de l'aider, au lieu de lui tendre la main, on lui a pris tous les enfants. Au bout de quelques mois, on renouvelle la mesure. On a une audience où j'ai entendu les gens d'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire ils étaient plus de 8, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, dire « ça se passe très bien, très très bien, vraiment, c'est une merveille ce placement, ça réussit trop bien, les enfants s'intègrent, ils ont des bonnes notes ». On a fait remarquer qu'ils avaient oublié de dire que sur 4 enfants, il y avait eu plusieurs agressions sexuelles, 2, dont une actuellement en instruction. On n'a pas le droit de toucher sexuellement les enfants des autres, hein, il faut le savoir. Que un des enfants avait dû être sorti de l'école pour harcèlement. Et ils n'ont pas dit non plus qu'il y avait eu 7 fugues. 7 fugues, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est un échec. Et quand on leur fait remarquer que c'est un échec, ils sourient. Ils sourient et ils nous regardent avec un mépris et avec une morgue qui n'a aucun équivalent dans tout ce que j'ai vécu. En 25 ans de barre, les assises, rien n'est plus violent qu'une audience de juge pour enfants. Alors, relayez ça, c'est pas possible qu'on laisse ces gens souffrir tels qu'ils souffrent à l'heure actuelle. Allez, encore. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille. Je fais quasiment que de l'enfance placée. Aujourd'hui, j'étais face à un élément inacceptable des services sociaux d'Aix-en-Provence. Il y a une enfant qui a été placée il y a un an. Depuis janvier, elle fait des otites à répétition. À répétition, en répétition. Alors en mai, on les alerte. En mai, ils prennent rendez-vous avec un ORL pour novembre. Entre-temps, la petite a fait plusieurs otites. Donc on leur dit, il fait des otites. Rien. Pas d'action. On continue à laisser cette petite enchaîner otite sur otite. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, se rendre compte que la petite a perdu 60% de son audition, comme il y avait un rendez-vous en novembre. Hein. Donc là, on l'opère en urgence. Là, bien entendu, il y a les hébergements. C'est pas que du mépris, c'est pas que de l'incompétence, c'est pas que de la malveillance. C'est un système. C'est un système qui est dangereux. C'est un système qui est violent. C'est un système qui est... dans lequel l'enfant n'existe pas, les parents n'existent pas. C'est une administration, ça ronronne. Ça ronronne. Là, on vient de leur dire, bah, écoutez, passons également, si on pouvait avoir des appels en visio, plutôt que, c'est un enfant de 4 ans, plutôt que au téléphone, parce que l'enfant de 4 ans au téléphone, bah, c'est long. Elle dit, ah, on peut pas, on n'a pas le matériel. Ils ont tous, hein, des iPhones, tout ça, WhatsApp.
On a le sang dans la bouche dans cette matière, face à cette administration. On a le sang dans la bouche. Alors j'ai un témoignage ici, en parlant de main-d'œuvre, hein, des services sociaux, de quelqu'un d'une connaissance qui a fait sa carrière en tant qu'infirmier, mais avant d'être infirmier, qui était travailleur social. Je vous donne un extrait d'un entretien que nous avons eu, qui dure quasiment une heure, que vous trouverez sur mon Patreon, parce que je ne peux pas tout dire comme ça en ligne, même d'être que sur YouTube, c'est impossible. Je vous donne un tout petit extrait de cet entretien. Bon, pour le Patreon, vous le trouvez, vous cherchez Stéphane Lambert, hein, ou alors vous allez sur sospapa24.com et vous arriverez bien à voir les liens sur ce Patreon. Mais c'est atterrant, en fait, la problématique du manque de ressources et de main-d'œuvre du social, du médico-social de manière générale est flagrante et aboutit ensuite à ces résultats. Donc on se demande où va l'argent, on se demande à quoi il sert. Et on se demande aussi d'où vient cet empressement à essayer d'y envoyer un maximum d'enfants, alors que c'est une boucherie. Enfin bref, écoutez. Puis donc ils allaient à l'école là-bas, puis le matin on s'en occupait pour le déjeuner, l'après-midi, à midi on les recevait aussi pour manger, et le soir on les recevait pour s'occuper de la scolarité après l'école, et puis le coucher. Et donc on faisait du loisir le samedi dimanche, enfin c'était assez divers comme boulot. Et en fait c'était essentiellement des éducateurs de jeunes enfants qui s'occupaient de ce truc. Et comme ils avaient pas assez d'éducateurs, ils prenaient n'importe qui avait plus ou moins la fibre pour s'occuper de ses enfants. Et moi je faisais fonction de ça. Et puis il y avait un secteur pouponnière, où on m'a demandé d'y aller parce que, en fait, les éducateurs de jeunes enfants qui étaient pas mûrs du tout pour s'occuper d'enfants, qui avaient eux-mêmes des problèmes probablement de maternité, parce que c'est essentiellement des femmes qui travaillaient là-dedans, ils étaient un peu sévères avec les enfants. Et, je sais pas, j'avais été préjugé... pouvant éventuellement apporter une touche masculine à cet univers un peu injuste et un peu sévère pour ces petits-enfants. Tout petits-enfants, il y avait vraiment des poupons de 3 mois. Tu y étais en tant qu'infirmier, toi ? Non, c'était avant mes études d'infirmier, ça. D'accord. Tu y étais en tant que quoi ? Tu étais en tant que... Tu étais personne éducatif, en fait ? Je faisais fonction d'éducateur, alors que j'avais eu d'autres fonctions d'éducateur ailleurs. D'accord. Mais avant, le cursus, en principe, pour être éducateur, c'est commencer par faire fonction d'éducateur. Oui, bah oui, suivre la scolarité, un peu d'expérience, ouais. La formation d'éducateur qui durait 3 ans à l'époque. Et puis après, être éducateur. Mais comme ils n'ont pas assez de gens pour le faire, ben ils prennent ceux qui sont motivés pour faire ça. Et donc, je m'étais occupé donc de ces enfants qui étaient vraiment très 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 très, très, très enfin des bébés quoi, en fait, finalement. Que 3 mois de 3 mois à 2 ans, j'étais dans cette section là, et c'était très dur parce que je te dis les éducatrices formées, elles. Très jeune, elle devait avoir 21 ans, 22 ans. Elle est très, 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 très maltraitante avec ses pauvres enfants qui pleuraient tout le temps. Ah ouais? Et moi, j'étais un petit peu... comment je pourrais dire? Même si moi aussi, j'avais 20 ans. J'étais un peu régulateur, en fait, finalement, des animosités de ces pauvres femmes. Quoi. C'est très, très dur, hein. Pour les enfants, franchement. Alors, j'ai des souvenirs vraiment terribles avec les excès d'autorité de ces femmes. Mais bon. Voilà, pour le reste, il faudra venir en ligne parce que je vous avertis, ça balance et ça balance sec. Bon, écoutez, soyez sages, 2023 est fini, 2024 arrive, passez un bon week-end, passez des bonnes célébrations de fin d'année et à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.